Salut, zami mwen. Jodi a, nan numéro 577, nan rubrik nou an, Mabi Bleu, mon trésor, nou vle rapple yo. Nan mitan chagrin yo, difficulté, tête chargée, douleur, maladie, souffrance, détresse, échec. Nan mitan tout qualité problème ou yo, bon Dieu, pas blye yo. Li pa jam bliyo, li pa bliyo e li pa jam bliyo. Rapidement nap li pou mèm nan liv Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Verset 23. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Version créole la dit nous, Seigneur, pas jamais suspend remen nous. L'a toujours gen pitié pour nous. Tant que soleil là qui levé chaque matin, comme ça tout, l'a toujours kembe parole li. Mais qu'on y a zami mwen, question pour ta poser tête tout, qui côté vrai problème nan yé? Si nous rete dans livre Lamentation, nous capable identifier deux grands problèmes peuple a te gagné. Deux grands problèmes qui te lagué peuple là dans cette grande affliction et désolation. Deux problèmes qui te résumé tout malheur peuple Israël t'a traversé. Et malheureusement, jusqu'à présent, un pile de chrétiens a fait face à deux gros problèmes ça yo. Premier gros problème là, c'était les péchés du peuple. Peuple l'a pas décidé confesser et abandonner péché lio. Peuple l'a t'a vivre dans l'idolâtrie, l'immoralité, l'infidélité et péché ça a été attiré sous peuple là le jugement de Dieu. Jérémie dit très clair dans texte là. Toute qualité calamité peuple l'a t'a traversé, c'est conséquence péché lio, infidélité li dans alliance que l'était fait avec l'Éternel. Malgré les appels de Dieu à la repentance, peuple a te bouché oreilles. Yo te préféré rester dans péché. Yo te accepté pour un peuple rebelle. Et comme ça, l'Éternel te quitté toute qualité fléau t'a tombé sous yo, youn après l'autre, jusqu'à ce que Babylonien yo te détruit temple yo te gagné pour adorer l'Éternel et mener un paquet l'autre monde en captivité. Qu'on y a zami mwen, li ta important pour nous font ti réfléchir sous véritable cause malheur nou yo, non seulement en tant que peuple mais également individuellement. Est-ce que c'est pas conséquence péché nou yo, méchanceté, négligence et rébellion à l'Éternel qui mène nous dans situation triste ça? Youn nan bagay pour ne pas jamais oublier, depuis que péché a toujours gagné conséquence. Péché pas jamais marcher sans conséquence. Deuxième gros problème qui te mettait peuple là dans affliction ça, c'était l'oubli. Peuple a te blié l'Éternel. Le cœur et les pensées de ce peuple étaient totalement détachés de Dieu. C'est ça que fait Jérémie pral dit dans verset 21, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Peuple là te doit changer qualité pensée lio vis-à-vis de l'Éternel. Peuple là te doit penser aux bontés de l'Éternel. Et rappelons-nous, ces bontés, les bontés de l'Éternel se renouvellent régulièrement, constamment et fidèlement. L'ouvri bibou dans Lamentation de Jérémie chapitre 3 et nous pral faire une petite application de versets 18, 19 et 20. Lè ou senti ou pa gen fòs anko, lè ou senti ou pa gen ken rezon pou viv et espere, lè ou ap panse a kalite detres ou, a mizè ou, a chagrin ou, problèm ou, tèt chaje ou. Lòske vò panse devyen amèr kom un poizon violan, lè malheureusement se panse mouvez yo e negatif yo selman kap domine la vi ou e l'espri ou. Verset 21 di, voici ce que vous devez repasser dans votre cœur, ce qui vous donnera de l'espérance, ce qui vous donnera l'envie et la force de vivre. Qui s'allie? Verset 22 a dit nous,
Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Notre Dieu, il reste et demeure un Dieu bon. Et ses bontés, ses multiples bontés envers vous se renouvellent chaque matin. Qu'on y a zami moins ou gen deux bagailles pour faire. Premièrement, repentez-vous de vos péchés. Deuxièmement, cultivez et repassez dans votre cœur et vos pensées les bontés infinies et constantes de l'Éternel envers vous. Ça veut dire, amis moins, il y a de l'espoir pour vous. Qu'on y a, jouette pour. À la prochaine.